I'm kind of in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mr. Lightman 22. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire, petite vidéo horreur sur The Walking Dead. Édité par Telltale Games et développé par Telltale Games. Faut savoir que c'est un jeu survival horror, on va dire ça comme ça. Et nous contrôlons en ce moment Lee. Donc notre jeune héros, et il est accompagné d'une petite fille qui s'appelle Clémentine, qui est juste à côté ici. Donc ils vont vivre des aventures juste incroyables, incroyables, c'est juste énorme. Donc voilà, j'espère que la petite intro que j'ai concoctée vous a plu. Et voilà, donc désolé d'avoir fait une entrée, enfin une présentation un peu glauque de la chose, mais il fallait bien que j'entre dans le contexte. Donc là, si vous avez bien compris, Gwen, débat. Je voulais dire Glenn, il est coincé. Et on va devoir aller le chercher. Donc il est coincé dans un hôtel ou je sais plus quoi, je sais pas, au niveau d'un hôtel. Donc voilà, faut savoir que la personnalité. La particularité de ce jeu, c'est qu'on fait des choix. Et ça, c'est encore, je le répète, un truc que j'adore énormément. Donc je vais dire à la miss que il faut qu'on parte, hein. Il me semble. Ah, salut Carly. C'est quoi ce sourire là? Genre je vais te gérer. Débat. Prêt à partir? You got it. You? Ouais, on y va. Let's go. Bon, les amis, nous allons aller sauver Glenn. En espérant que tout se passe pour le mieux. Donc j'espère que vous allez bien. Donc un petit conseil avant de continuer l'aventure. Éteignez les lumières, mettez-vous en condition. Casque conseillé, 720p. Et puis c'est cool. Eh bien les amis, je commence déjà à avoir peur. Bon. Sure did. Be ready to shoot. Guys! Oh man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn! Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way! We gotta go, now! Listen, I was out here looking for gas, and then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Bon, écoutez. Donc la meuf, elle est là. Elle est dans ce bâtiment, la porte que vous voyez entourée de zombies. Et là, où est-ce que nous sommes, par contre? Et nous sommes ici. C'est génial. Ok, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Bon. Regardez par-dessus le mur, Josique. Gauche vers le haut. Attends, on va jeter un coup d'œil. Regardez trop longtemps et vous serez vu. Ok, d'accord. Très bien.
Si je m'aventure à regarder trop longtemps. Ok. Bon bah. Qu'est-ce qu'on fait? We can probably make it over to the RV. Or down to the truck if we're quick and quiet about it. Ah bon? Le camping-car. Attends, fais voir. Le camping-car de devant. Ok. Ça c'est quoi? Attendez. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Donc en gros, vous voyez un peu le genre de délire de jeu. Excusez-moi, il m'a tué là. Donc en gros, l'histoire se modifie en fonction de ce que vous faites. Et ça, ça risque d'être sympa. Alors là, on va aller directement vers le camping-car. J'espère qu'on va pas se faire spotted. Bon alors, elle vient la Miss là ou je sais pas quoi. Ok d'accord, en gros Carly va nous couvrir. Holy shit. Merde, il y a un... Comment je vais faire? Putain de merde les mecs. Faut que je fasse un choix, qu'est-ce que je fais? Je l'attaque ou pas là? Qu'est-ce que t'en penses Glenn? I think you're gonna need more than your fists, man. Ok bah je crois que il n'y a rien aux alentours, monsieur, donc c'est parti. An age-old problem. Et merde. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Oh putain. Attendez. Bon bah alors attendez. Je crois qu'on va retourner là-bas. Est-ce que je peux avoir ton arme? C'est possible ou pas? Ouf, où tu vois un camion? Attendez, ouais. Ah d'accord là, ah là-bas, là-bas. Ok. D'accord, regardez. Oui bah regarde. Ouais bah ça te dit pas de jeter un coup d'œil. J'ai envie de faire. Oh, il y a une arme là. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise and none with pillows. Ouais bah t'es marrant, bah je fais comment? Ok bah d'accord. Hey man, that drew some attention. Be careful. Oui, comment je fais bordel? Attendez. How can I do? I found a pretty damn good way to stop these guys quietly. Now we just have to get it quietly. Ouais. T'as raison. Comment je vais faire? Putain, ça s'ouvre pas. C'est génial. Oh, attendez, il me semble, je pense avoir trouvé, peut-être que, attendez. Oh, mais merde, eh, mais je sais pas, comment je vais briser ça? What are you gonna do with that? Ok, d'accord, j'ai compris. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. Ok, bah merci, merci Mora de m'aider. Bon, bah alors, vous avez une idée, parce que je sais pas comment... Et toi? Ok, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Oh là. Damn. That was sick. Ok. Ok les mecs, je pense qu'on est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Et toi, tu dis quoi? Ok, bah... Attends. Est-ce qu'il y a une arme déjà? Oh, c'est quoi ça?
des barres, ça sert à que dalle ça. Putain. Vas-y, on va essayer. It's a sparky thing. Spark plug. You should hold on to that. Could come in handy. Ok d'accord, bah ça pourrait servir. Donc voilà, on va pousser. Bon les mecs, faut qu'on dégage là parce que. That was awesome. Wow. Bon alors. Bon alors. Est-ce que je peux toujours alors. Bon, maintenant que les deux personnes sont loin, est-ce que je peux casser ce truc de merde? Alors. Wait. Quoi? Let me see the spark plug. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Ok, bah d'accord. Non, fermez-la, vous avez rien entendu. Putain, mais je vous assure que à chaque seconde, je pense à ma vie. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Ok, that was exactly what I was thinking. Bon alors, on peut repartir hein, en mode BGM. Je pense qu'on est bon là. Il me semble qu'on est bueno. Alors attendez. Donc je crois qu'on va pouvoir traverser sans soucis. Bougez pas. C'est parti. Dès qu'il... Et voilà. Oh. Holy shit. Hit him. Ah. Nice. Thanks for having my back. For sure. Ouais, serait peut-être mieux de le tuer au cas où. Prends ça dans ta face, Morale. Ah bah du coup on a plus d'armes. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Allez, c'est parti. Hop là. Two more. That should help. Bon, je pense que ça devrait aller avec cette putain de hache. Alors attendez. Ah, d'accord, c'est par là-bas, excusez-moi. You guys lag behind just in case this goes to hell. Okay, we'll be right behind you. Pourquoi c'est toujours les blacks qui partent en premier? Faudra qu'on m'explique ça, que ce soit dans les films ou. Mais pour eux, c'est toujours eux les plus courageux, c'est toujours nous, mais c'est incroyable. Alors attendez. Holy shit. Hey, coucou. Voilà. Next. Rat. Et voilà. Alors, Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. Please. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. On arrive. Oh. Stop, just stop. I'm coming out. You're hurt. Oh god. I said stay away. Oh, Meg. Help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit.
but he wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Glenn. I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. Bon alors, viens avec nous, on s'en va. Okay. Désolé. We'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. Ah, j'aurais pu l'amener, mais je suis désolé. So, can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me? I can just, you know, end this, and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic. We can't let you do that to yourself. Then do it for me! We need to get going. Give it to me, please! This is crazy! Please, step back. It's just 2 seconds, just one bullet. And I can be with my family and it'll all be fine. Miss. Back up! Please! Whoa, take it easy. We just want to help. You can't. Miss, just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... No, no! No! Let's get out of here. Shit! Here they come! Get in! Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and... Well, yeah. We're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Bon, eh bien, vous voyez un peu le style de jeu que c'est The Walking Dead. Vraiment, c'est une histoire de ouf, hein. Franchement, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous laisse découvrir le jeu. Je vous invite à aller voir la chaîne de Dark Funeral 972 pour voir tout le walkthrough. Moi, j'ai juste téléchargé le premier épisode, hein. C'est la démo qui est disponible sur le PlayStation Store. Donc, je peux rien faire de plus. Attendez, je vais quand même donner un petit chocolat à la Miss, là. Attendez. Bon, on va voir comment elle va, déjà. Everything okay? Mm-hmm. Ok. Elle m'a l'air d'aller bien. Bah tiens, je te donne ça, Glenn, parce que t'as dû souffrir tout à l'heure. I'm cool. Not much of an appetite. Maybe save it for one of the kids. Ok. Bah ça marche. Donc voilà, hein, c'est un peu à ça que ça ressemble The Walking Dead. Et puis c'est vraiment grave. Bah attends, on va les donner à la meuf là. It's not much, but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. Don't mention it. Bon, mais écoutez, les relations entre eux deux risquent de... Enfin bref. Bon, sur ce, donc je vous promets, mais là c'est vraiment confirmé, de faire la saison 2. Donc c'était pour vous montrer à quoi ça ressemble un peu de Walking Dead. Et comme ça vous aurez pu apprécier un peu comment ça se passe et tout ça. Parce que la saison 2 je compte bien la faire. Et en tout cas sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire qui fait plaisir. Et les gens, on se retrouve très vite. À la prochaine, bye bye.